Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'évolution. Aujourd'hui on est venu rendre visite à nos amis valdotins. On va faire une petite sortie raquette en direction de la Testa d'Efra au départ de Morges. Donc c'est pas très loin de Morgex. Et ça nous fait plaisir d'être là et de partager ce moment avec vous. Alors c'est parti, on va faire découvrir tout ça en images. On se trouve à 2200 mètres. On est un petit peu dans la nappe. Un tout petit peu. Bon, ça, on dirait qu'il fait un peu le yo-yo là, le strat. Par contre, notre ami devant, il redescend. Hein. Je sais pas si on le voit à la vidéo. Tac. Bah, ça a l'air d'être pas mal là. Allez, on continue. Voilà, là-bas au fond, on a le col Fetita en vue. Et sur la gauche, dans les nuages, la Testa d'Efra, encore un peu bouchée. L'équipe au complète. Au col Fetita. Bon, on a une bonne visibilité comme vous pouvez voir. Côté est, c'est plutôt dégagé. Pointe Fetita derrière avec une belle corniche là-bas au fond, vous voyez là. Direction droit devant, là où on voit rien, pour la Testa d'Efra. Voilà la Testa d'Efra en haut à droite de votre écran, au niveau du petit rocher. Voilà, on est au pied de la Testa d'Efra, juste devant nous là, tac. Nous voilà à la Testa d'Efra. On a réussi. Eh ben, bravo, 2815 mètres. Ça, c'est pas beau, ça. Bon, les conditions sont un peu, comment dirais-je, comme chaque année. Un peu brouillard. Allez, profite deux minutes et puis on va redescendre. À tout à l'heure. Et bien voilà, j'espère que cette petite sortie vous a plu, même si top. C'était un petit peu bouché. C'était sympa, c'était ouais. Cool. Ouais. Voilà, ah, super. Et bien à bientôt pour de nouvelles aventures, Harvey.
Thank you.